Encore à quatre pattes, voyez, puis bon, je trafiquais dans l'atelier. Et alors, déjà, j'aimais à me mettre sous les jupes des employés de ma mère. Et oui, alors en plus, qu'est-ce que vous voulez, c'était l'époque des jupes longues, hein, où on mettait même du plomb en bas des jupes pour que ça tienne bien, hein, avec des traînes. Et puis qu'on voit rien, surtout, oui. Mais alors, vous savez que moi, j'étais heureux d'être sous ces jupes, parce qu'alors, je leur touchais les mollets, vous voyez, je remontais jusqu'aux cuisses, mais je devais certainement leur toucher un peu la chatte aussi, mais enfin, bon, c'était pas encore le truc à l'époque. Et alors là, voyez là, alors là, ça, c'est Emmanuel. Emmanuel. Alors Emmanuel, elle est thaïlandaise. Mais c'est pas pareil, Emmanuel. Et non, ça c'est pas la même chose. Et non, parce que alors Emmanuel, c'est l'écrivain. Emmanuel. Et puis alors elle m'a écrit une dédicace, vous savez, dont je suis très très fier. Et alors. Emmanuel, ce qui l'excite beaucoup, et alors ce sont mes peintures, figurez-vous. Ah, c'est tout ce que je lui fais voir. Mais elle est vraiment très très bien. Donner mon corps à la faculté, voyez. Alors bon, c'est un médecin, là j'ai été le voir, j'ai dit écoutez, voilà, je veux donner mon corps. Ah, ça m'intéresse beaucoup parce que je vais pouvoir donner mes testicules. Bon, parce qu'ils sont encore très bons. Et alors lui me dit, mais alors comment ça, monsieur Molinier, alors comme ça, vous vouliez donner vos machines? Et j'y ai dit oui. Oui, parce qu'elles sont encore très bonnes. Mais ça marche pas. Ah non, non, ça marche pas. Alors moi, je comprends pas. Et puisqu'on peut greffer un cœur, je vois pas pourquoi on pourrait pas greffer des couilles sur quelqu'un qui n'en peut plus. Parce que, écoutez, franchement, voyez-moi, quand je vais crever, alors bon, je sais pas si je vais me foutre une balle dans la peau ou quoi, mais enfin, bon, mes couilles seraient encore très bonnes. Vous voyez? Alors, on pourrait les enlever de suite. Et puis les greffer sur un jeune homme de 30 ans, par exemple. Vous voyez, alors ça serait amusant, ça, vous savez, parce que alors, je pourrais recommencer ma vie, vous voyez, à 30 ans, avec mes testicules.
Et puis ça me ferait une nouvelle jeunesse. Oui. Et puis parce que, et entre nous, avoir les couilles de Molinier, ça serait quand même quelque chose.